cave Gate remplie de machines inactives que nous utilisons pour nos expériences. Nous n'avons aucune nouvelle de notre équipe. L'IV a certainement activé les boucliers de défense pour vous barrer la route. Bonne chance. Scan de la zone. Analyse, les générateurs fournissent l'énergie du bouclier principal. Alerte, l'IV a pris le contrôle du canon Gate. Alerte, nous sommes en ligne de mire. Alerte, le canon Gate verrouille notre position. Manœuvre d'évitement recommandée. Alerte, nous sommes en ligne de mire.
efforts constants pour réduire le stress en milieu professionnel, la diffusion de musique sur les canaux interstations a été autorisée. Scan de la zone. Analyse. L'objectif se trouve au bout de cette impasse. Et voilà les ennuis. C'était trop facile. On se bouge. Activité Yet hostile détectée. La réponse armée est autorisée. Cerberus rappelle à tous les employés que cette alerte d'urgence est maintenant placée secret défense. Toute communication de l'incident à une personne étrangère en service serait violation de votre contrat de confidentialité. Les Yet 7 à 14 sont maintenant actifs. Mesures d'urgence requises. On s'est perdu.
Signal Get. Veuillez isoler les machines immédiatement. Thank you.
préoccupant. L'IV essaie de transmettre son programme directement depuis l'endroit où vous vous trouvez. Allez jusqu'à la salle des serveurs et désactivez le cœur avant que... Journal d'Archer. Entrée 155.2. Pendant des années, la condition de mon frère a été un vrai handicap. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Son esprit autiste est le bon en avant que... Restez sur vos gardes. Qui sait si ce bouton ne va pas faire apparaître un moissonneur.
racine carrée de 920 et 30,3. C'est notre dernière chance. Le projet est en danger. Il faut agir vite. Comment attirer l'attention des guettes? Le robot te salue. Eureka, David, tu as fait des miracles. La racine carrée de 930 est 30,5, la racine carrée de 940 est 30,7. David, peux-tu réciter les notes que j'ai prises sur l'expérience de jeudi? La racine carrée de 950 est 30,8. David, écoute un peu, s'il te plaît. C'est bruyant. Trop bruyant ici. Pardon, ce n'était pas justifié. Tu voudrais bien me réciter les notes que j'ai prises sur l'expérience de jeudi? Entrée 137.3. L'expérience n'a révélé aucun comportement d'obéissance des guettes. Fin de la dictée, David. Bon sang, l'homme troupe ne va pas aimer ça du tout. Merci. Comment te sens-tu aujourd'hui? La racine carrée de 960 est 30,98. Je voudrais bien des bouchons d'oreilles. David, je veux que tu ordonnes aux guettes de faire un pas en avant. Comment fait-il ça? David est un génie des mathématiques. Son esprit autiste est capable d'interpréter le langage guet dans sa forme la plus basique et de le restituer phonétiquement. Grâce à sa mémoire photographique, il peut retrouver le sens d'une expression en un clin d'œil. C'est un vrai ordinateur humain. Et vous pensez qu'il peut communiquer avec le réseau neuronal guet? Oui. Ce n'est pas un peu risqué, docteur? Ça ne coûte rien d'essayer. Thank you.
Attendez, commandant. Je vous en supplie, ne faites rien d'inconsidéré. Inconsidéré, comme d'utiliser votre propre frère comme cobaye. Je sais ce que vous pensez, mais je ne voulais pas lui faire de mal, croyez-moi. C'était un accident, rien ne s'est passé comme prévu. Voir David communiquer avec les Geth, ça avait l'air sans danger. Et en un clin d'œil, votre conte de fées est devenu un véritable enfer. Je n'avais pas d'autre choix. La pression était insupportable. L'homme trouble n'accepte pas l'échec. Une guerre contre les Geth serait un bain de sang. On m'a chargé de trouver un moyen de l'éviter. Et combien sont déjà morts pour ce projet ? Bien trop, pour que je puisse me le pardonner un jour. Mais je ne renierai pas mes idées radicales. Si mon travail peut épargner la perte de millions de fils à des millions de mères, ma conscience sera apaisée. Regardez-le. Votre frère ne sera plus jamais comme avant. Les dommages ne sont peut-être que temporaires. Il a une chance de retrouver un semblant d'esprit. Cerberus ne le laissera jamais en paix. Votre frère sera toujours un rat de laboratoire. Mais un rat très bien soigné. Et en vie. Vous êtes prêt à sacrifier le bien-être de votre frère pour assouvir votre ambition. Ce que j'ai fait à David n'est pas éthique. S'il meurt, c'est impardonnable. Laissez-moi m'occuper de lui, je vous en prie. J'en ai assez vu. Votre cruauté va l'emprisonner ici pour toujours. Je l'emmène. Non, laissez-le ! Il a trop de valeur ! Si jamais vous voulez revenir chercher votre frère, je vous préviens que j'ai une balle avec votre nom dessus. On verra bien ce qui a le plus de valeur pour vous. Où allez-vous l'emmener ? L'Académie Grissom. Ils peuvent aider les personnes différentes comme David, et non les torturer. Joker, contactez l'Académie et dites-leur qu'on a récupéré quelqu'un qui a bien besoin de leur aide. Affirmatif, commandant. Si l'homme trouble n'est pas d'accord, il a qu'à me virer. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé.